Alors, quels sont les objectifs du groupe Climaction? Alors, les objectifs de ce groupe sont d'encourager, de motiver la municipalité à faire des propositions pour aller dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, pour aller dans le sens de la transition énergétique. C'est aussi un groupe qui se veut le plus large possible pour essayer déjà d'apporter des propositions de toutes parts, toutes sortes de propositions, et qui puissent que toutes les actions de la municipalité qui vont dans ce sens puissent être aussi portées par l'ensemble du conseil communal. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de propositions concrètes qui pourraient être mises en place pour améliorer la situation à Morges? Alors, par exemple, une commune met à disposition ce qu'elle doit faire, c'est mettre à disposition des infrastructures à la population morgienne. Et un exemple sur les infrastructures énergétiques. Actuellement, la commune de Morges pose des tuyaux de gaz un peu partout dans Morges à chaque fois qu'elle ouvre une route pour pouvoir amener du gaz aux bâtiments pour leur permettre de se chauffer. Une idée serait de planifier la pose de réseaux d'eau chaude, eau chaude qui serait chauffée à l'aide de diverses sources de production d'énergie, dont les productions d'énergie renouvelable, qui sont la géothermie, l'aquathermie, le solaire thermique, qui sont souvent décentralisées. Cela permet de diversifier la production d'énergie renouvelable.